Et oui, bien sûr, belle chanson, Love j'adore Yourself. particulièrement. Et elle est dansée partout aujourd'hui, hein, cette chanson, Emmanuel, bonjour. Absolument, bonjour Vous et l'appréciez, bonjour. cette chanson? Oh, c'est formidable, j'aime la qualité vocale, la mélodie et la ligne basse est très porteur. Magnifique. Voilà. Ça nous rappelle nos sonorités traditionnelles. Oui, tout à fait, mais c'est ça vraiment. C'est magnifique. Ça. Et ces artistes-là qui ont joué le jeu, c'est-à-dire qui se sont, quand je dis jouer le jeu, c'est qu'ils sont vraiment rentrés dans leur peau originelle et au-delà de ce qu'on les connaît avec des pantalons et tout, machin, chose qu'on a l'habitude de mettre dans les C'est de pieds. Plus en plus ça qu'on doit communiquer parce que c'est ça qui nous sommes. Enfin, c'est ça. C'est ça qui nous sommes. On a besoin de mettre cet argument sur la plateforme universelle aussi. Voilà. Et c'est justement pourquoi on est là depuis tous les lundis et les mercredis. Oui, tout à pour fait. Essayer de revenir à qui nous sommes, à qui nous sommes. Véritablement et en être fier. Ouais. Be proud of who you are. Yeah. How to be proud of who you are when inside our society there is so many movements, so many things to do. There's no time to rest. How to be proud? Yeah, absolutely. This is a big preoccupation, but start by being proud of who you are, no matter the context, no matter, yes, it's the start bottom there. Line. Yes, just say, I'm proud of whom I am, whatever I am, no matter my level, no matter how far I've gone, you know, I'm proud of who I am. And then, of course, there are always things to fix. You just make a plan of action and you get your people to join hands because it's always a community responsibility. It can start like an individual initiative, but we must always think of what we can do as a community. Yes, yes. Join the people to bring identify hand. Yes, everywhere they are coming, but that is what is difficult for men. Okay, especially yes, men. Yes, yeah, we are talking about the what Frenchman call code homme, the code homme, the thing who registered man, what makes us men, eh? Yeah. Actually, with the male code, we have been reflecting all this while on the subject, and we came to a number of identifications that, of course, they are different classifications of men, and all of them show different manifestations of wanting to be themselves. Yeah. And the final result is that men don't communicate very intimately with each other about their strong and very, 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 very deep-rooted emotions. They have superficial relationships with other men, and sometimes they have ended up trusting the women in their lives and spend all their life complaining about that trust. This is because men have a mental makeup and a way of handling issues with men, and women have theirs. If we are expecting a certain approach to information that is very sensitive to us, from a man's point of view, we are expecting men to come to our support to handle these things. If we hand them to the women, we should understand that we cannot get the same feedback. This is simply because they have different ways of analyzing. It's not in terms of quality. It's just in terms of approach and understanding what part of the woman's brain that information sits and how will it manifest in her everyday life, where will her own boundaries be set as compared to a man. So whatever we do, the trust we have for the women have their place, but it will not create the balance we need. We have never learned to be emotionally connected to us men. We have learned to be with men, and we have spent time having some of these groupings showing up all the time. The first one is a set of men who, just ask yourself this question if you fall in this group. Do you always isolate yourself? Do you keep sensitive emotional information from your friends? Are you always the cool guy withdrawn in one corner of the room? Do you always want to have control of situations and people? If you are always thinking that I want to have control of this situation, do you control conversations? Try to see that and manage the way things go on. Are you always competitive in your habits? You know, you're always looking at who is leading, who is coming next, what is the next strategy to overcome. If everything is competition, it can be complicated because sometimes it's collaboration that we need, not really, you know, we're associating our forces. And how close are you to other guys? When we say close, how really, really close? We move up to a guy and actually say, man, things are rough, I need your help. Does it ever happen to you? In the true sense of really wanting to, you know, count on a friend who is a guy. The next group of people are those who fear that when you associate much with other men, you be considered a gay guy, you know. So if do you have those type of things coming through your mind? If that is the case, how does that affect
your relationship with other boys and other men who are sincerely close to you and are ready to go with you all the way until you break through, you know. And then, of course, there are the third group of people who are not aware of their emotions and are not sensitive to the emotions of others, you know, especially in situations of conflict. They go aloof. They are just like lazy, disconnected guys. And if you are having that type of feeling, how will that affect your relationship with other guys? This is very important. How is that affecting your relationship with other guys? The fact that you are not sensitive to people's feelings, not even to your own feeling, and that you just feel that this is too much work trying to understand and get into things. You are superficial and you let it go. You prefer to sit on TV, have a drink, and be nice and just be comfortable. No deep, no serious matters are needed. Are you like that? Then you fall into one other category. And the third category are those who feel that the relationship with women threaten their lives and their stability, and so they may see something always evil in the woman's relationship, and they always feel that these people are a threat to us. Do you feel that way? And do you feel that this? How does that affect your relationship with the guys? Mm-hmm. And do the fact that you have relations with guys, do you tend to say evil about the women in your life all the time, complaining? If you are that type of guy, then you come into this fourth group of issues. And are there situations where when other guys try to question your role in the trouble you have in your life, even in your marital life, are there situations where you feel that these are not nice guys, they are not supportive enough? If you come into that group, then you are in the fourth classification. And in our last discussion, that was on Monday, we were actually examining how these different aspects have affected our relationship with guys. Yeah. Because most of the time, we end up not trusting the guys for one of these four reasons. You may have more than one of these affecting you as a person. Mm-hmm. And this is time for us to recon. Yeah. But let us... But before coming to that, on doit relever quand même auprès de nos téléspectateurs que nous sommes en train d'essayer de catégoriser un peu les différents groupes auxquels nous appartiendrons ou alors nous appartenons. Nous appartenons. Nous appartenons, oui. Oui. Et peut-être dans ces différents groupes, faire ressortir les différents caractères que nous avons au quotidien et chacun s'y reconnaîtra. Il y en a quatre pratiquement. Il y en a quatre pratiquement. Nous avons vu le premier cas. Et dans le premier cas, nous avons des personnes qui pensent qu'il ne faut pas s'associer. Il faut agir en homme, c'est-à-dire agir en homme, ça veut dire je ne m'associe pas, je m'isole, je ne prends pas parole. Tout le temps, je veux avoir le contrôle de tout, contrôler même les conversations, je veux avoir la maîtrise du tout. Je passe mon temps toujours à être en compétition. Qui est le premier, qui est le deuxième? Qu'est-ce que je fais pour dépasser l'autre? Je ne pense pas en termes de collaboration et d'association, mutualisation de forces. Mm-hmm. Je vois beaucoup plus la compétition. Quand on est dans cette catégorie, on doit voir comment, on doit poser la question, comment toute cette attitude affecte ma relation avec des gars, dont des hommes? Parce que nous avons un problème, on ne se confie pas les profondeurs de nos émotions à des garçons. Et si on est dans les périodes, la phase de la compétition, de la maîtrise, du contrôle, on ne peut pas aller à la personne qu'on veut contrôler, lui dire qu'on a des faiblesses. Donc, voir comment ce caractère affecte votre rapport avec les hommes. Parce qu'il faut que vous sachiez, comme on va voir tout à l'heure, qu'il est important qu'on a de vraies relations authentiques avec des gars, parce que toutes les relations qu'on peut avoir avec les femmes ne peuvent pas compenser. Cet équilibre est absolument nécessaire. Et on va voir dans le passé comment ça a joué dans la vie des plus grands hommes de ce monde et des choses qui nous influencent jusqu'aujourd'hui. Nous avons la deuxième catégorie, c'est des gars qui veulent vraiment avoir des bonnes relations et ont des vrais gars dans leur vie, mais qui pensent que on va me traiter d'un gay. Voilà, je suis homo, et comment cela influence comment cela influence tes décisions et la qualité de relation que vous avez avec des autres hommes qui sont vrais, qui sont sincères dans votre vie? Comment cela vous affecte? Parce que cette chose est aussi culturelle. Il y a certaines personnes qui ne sont pas sensibles à ça, mais il y a d'autres, par leur culture, qui sont sensibles à cela. Et leur environnement est aussi très sensible à cela. Nous avons la troisième catégorie, c'est cette paresseuse
nonchalante, celui qui s'en fout à la limite, qui ne veut pas entrer dans des choses sérieuses. C'est trop de travail, ça, aller comprendre comment l'autre se sent. Il n'est même pas sensible à ses propres émotions profondes. Il n'est pas sensible à des émotions des autres. Et la tendance, c'est de rendre la vie le plus simple possible. Il ne veut pas se casser sa tête. Ça fait qu'il est même, à la limite, très négligent, même dans son couple, avec ses enfants, les rapports avec sa famille et tout. Si vous êtes comme ça, comment cela affecte vos relations vraiment avec les hommes? Et ceux qui comptent sur vous, peut-être c'est dans la famille, dans le travail ou dans l'amitié tout court. Donc vous allez voir, si vous vous retrouvez dans cette classification, sachez qu'il y a cet élément est en train de jouer un rôle pour que vous ficelez des rapports vraiment profonds avec des hommes. Tout à fait. Et dans le quatrième cas, nous avons ceux qui pensent que tout le mal est la femme. Et donc, ils pensent que je vais utiliser l'homme comme la façon de compenser pour cette manque, cette confiance que je ne peux pas avoir à la femme. Ils parlent toujours mal. Et quand ils rencontrent l'homme, c'est pour dénigrer sa femme ou la femme qui est dans sa vie. C'est pour se plaindre tout le temps. Ce n'est pas vraiment pour chercher une amitié profonde dans laquelle on va l'analyser aussi, savoir si son rôle dans le couple est même correct. Peut-être qu'il mérite tout ce qu'il se plaint de. Et donc, est-ce que vous êtes celui que quand vous rencontrez un homme, qui va vouloir savoir que non, voyons un peu cette affaire. Ce que tu me dis là ne passe pas, ça ne tourne pas rond, parce que moi-même, à la place de ta femme, je vais aussi réagir penser comme ça. Vous aurez tendance à dire, dis-moi gars, comment on peut arranger ça? Ou non, tu n'es pas un bon gars. Moi, je viens te parler, je suis sérieux, tu prends plutôt la part. Prends le parti. Ce sera deux choses l'une. Voilà. Mais pour comprendre tout cela... Ok, on est au 21e siècle, on est en 2021, oui. Nous vivons dans une certaine époque. Nous vivons, on doit pouvoir comprendre que tout cela est influencé par qui étaient nos pères hier. Les mouvements, c'est un mouvement courant qui aura évolué au point de nous influencer à ce jour. Nous avons parlé des problèmes, des approches historiques, mais nous voulons dire qu'il y a... Il y a des phases où nous avons connu des véritables relations entre des hommes et que ça nous a inspiré, mais qu'on ne veut pas l'utiliser. Il y a un moment où on est devenu fragile parce que certaines choses sont entrées comme des drogues provisoirement pour nous soulager. Dans le passé, effectivement, on a eu qu'il fallait être un homme pour être respecté. On a parlé des périodes des chevaliers et les codes des chevaliers, les gladiateurs et tout ça. Et que de fois, c'est des femmes qui ont vénéré ça, de savoir que ton mari a gagné, a réussi, et c'est lui qui... Vous étiez comme si mon mari peut taper tous vos maris. Donc, ça vous met une femme privilégiée ou dans un autre statut. La société a joué tout cela. Mais nous savons quand même qu'on a eu de profondes relations entre des hommes. C'est très touchant. J'ai vu certaines citations dans le monde littéraire, dans le monde religieux, dans le monde politique. On va parler d'Abraham Lincoln, c'est le premier président des États-Unis. Son ami le plus proche était quelqu'un qui était tellement indiqué dans sa vie que même dans toutes ses écritures, il n'a pas hésité de citer. Il s'appelait, son nom c'est Joshua Speed. Joshua Speed, dans l'histoire, on va voir qu'il est toujours... Il a toujours été à côté d'Abraham Lincoln jusqu'à ce qu'il devienne président. Mais ce qui l'a marqué le plus, c'est que Joshua a intervenu quand Abraham devait se divorcer de sa fiancée, Mary Todd. Et Abraham dit que même si c'est le cas, vous ne pouvez pas faire par une simple lettre. Tu dois faire le voyage pour l'affronter et lui parler face à face. Ça, c'est un ami. Ils se sont parlé. Et Abraham n'a pas fait ce voyage. Mais a plutôt réparé cette relation parce que le fait qu'il n'avait pas le courage de l'affronter était parce que lui savait que son argument ne tenait pas. Finalement, c'était Mary Todd et Abraham Lincoln, la première couple présidentielle des États-Unis. Donc, ce mariage a eu lieu grâce à un vrai ami. Nous n'avons pas eu bien l'histoire de David. L'ami qui avait joué son rôle. Son rôle parce que, Abraham pouvait lui confier que cette affaire-ci est en train de se gâter. Je pense que je vais le rompre. Et lui, il a dit, mon cher ami, c'est pas comme ça que un homme, dans le vrai sens, doit se comporter. Si vous pensez que c'est fondé, ce n'est pas par une note. Et vous voyez, ce rôle de vraie amitié a plutôt sauvé ces relations. Et l'histoire tiendra que c'est comme ça qu'on a eu le premier couple présidentiel, Mary Todd et Abraham Lincoln. Nous allons regarder l'histoire de la Bible. Nous avons Jonathan et David. L'histoire de Jonathan et David, on savait, Jonathan savait que son père voulait éliminer David. Mais il a joué le rôle de toujours trahir les plans de son père pour sauver son ami David. Vous pouvez imaginer cette histoire. Elle est tellement vraie, elle est tellement touchante. Et ça se passe parce que les gens croient sérieusement
à des relations. On n'a pas oublié l'histoire de Mark Twain, de Tom Sawyer et Huckleberry Finn. C'est l'un des romans les plus touchants qui parle. Nous sommes dans les 18e siècle, et Mark Twain qui a raconté l'histoire de Thomas Sawyer et Abraham Lincoln. Ils étaient Thomas Sawyer et Huckleberry Finn, les deux étaient dans un cimetière et ils ont vu comment on tue un homme, et ils ont juré de ne jamais trahir ses secrets. Et le moment où il devait trahir, c'est parce qu'on a vu qu'au tribunal, c'est quelqu'un d'autre qui était condamné pour cette mort. Et ils ont vu que non, on ne peut pas laisser quelqu'un innocent mourir. Et ils ont, mais ça a pris des années, ils ont tenu cette promesse. Ça, c'est le rapport qui existe entre des hommes qui fait qu'une situation dans l'histoire bouge, quand c'est vraiment vrai. Donc, ça veut dire quoi? Que le fait que les hommes ne se confient pas l'un à l'autre, ne partagent pas profondément leurs émotions, ce n'est pas un nature homme. C'est une déformation avec le temps, parce que peut-être à un moment donné l'homme s'est senti très fragilisé, qu'il estimait que celui qui lui menace c'est un homme, mm-hmm. et donc il faut qu'il se protège. Mais au fond, les études ont montré que l'envie d'avoir des relations profondes est forte, mm-hmm. mais le courage de le créer est difficile. Le travail que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu que la télévision, le sport, aller dans les pubs, dans les lounges, c'est une façon où les hommes passent à soulager leurs soucis. Mais ils ne soulagent pas vraiment. Ils couvrent. Ouais. Parce qu'il y a la musique, on danse, il y a la boisson qu'on partage, il y a ainsi de suite. Mais à la fin, on rentre. Il y a ces filles qui se baladent là, on voilà. apprécie, on en Mais parle comme ça. Une chose est certaine, c'est qu'on rentre toujours seul et triste. On n'a pas évolué de la véritable souci qu'une humaine. On a retrouvé ces problèmes où on les a laissés. Voilà. Et on prend toujours un nouveau rendez-vous en espérant qu'on aura le courage. Mais ce qui est triste, c'est que même celui qui est en face de nous a le même problème comme nous. Comme lui n'ouvre pas, on attend qui sera la première. Nous sommes en train de vouloir ouvrir pour tout le monde, pour nous-mêmes, maintenant sur ces plateaux, en train de dire qu'écoutez, il a fallu qu'une personne commence. Et on a dit aussi, quand on commence, on s'en fout si ça va pas bien marché. Mm-hmm. On doit croire à la bonne fondée de ce que, le bien fondé de ce que nous voulons faire et d'y tenir. Parce que c'est comme ça qu'on finit par créer une nouvelle révolution, mm-hmm. qui transforme une société. Vous allez voir aussi que cette question de courage pour commencer, c'est le même courage qu'on veut dire qui nous rend un homme. Si on est un homme, parce qu'on est courageux, on a gagné le combat, il faut qu'on ait le même courage de s'exposer. De s'exposer et de traiter profondément les choses qui nous manquent. Le désir de ce contact est fort. On est plutôt en train de l'utiliser dans la politique pour gagner. On est en train de l'utiliser parce que l'esprit de compétition veut que je gagne cette élection, je deviens directeur, je gagne plus de terrain sur cet investissement, je domine, je deviens premier, je sors dans le journal Forbes et tout ça. Et au fond, on rentre toujours chaque soir sur notre lit, toujours vide. Et je vais vous dire là où ce problème pose, un sérieux problème. Dans mes expériences et formations dans le Terminal Disease Counseling, Terminal Disease Counseling, c'est l'accompagnement des mourants psychologiquement. La personne sait que ses jours sont comptés, ses heures sont comptées, et à ce moment, vous trouvez beaucoup de gens maintenant qui se rendent compte que je n'ai rien à perdre, je veux mourir. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces dossiers qu'on n'a pas partagés pour soigner soi-même et son environnement qui pèse dans leur cœur. Ils sont prêts à partir, mais ils n'arrivent pas à partir parce qu'ils doivent dévoiler. Quelle est notre habitude? On a fini en tant que les hommes à se confier à nos avocats, à nos médecins, à nos psychothérapeutes. Hommes. En pensant que ce sont nos amis, à nos marabouts, à nos guérisseurs, hein, à toutes ces personnes, parce que chez eux, comme on est coincé par une situation, on est obligé, peut-être la peur de la mort, peut-être la peur de quelque chose qui nous échappe, de se confier en disant que cette personne a des qualités particulières. Effectivement, ils ont des qualités particulières, mais des qualités particulières de passer comme l'ami de tout le monde. Ah ouais. Ils ne peuvent pas être vraiment votre ami. Il va prendre ton dossier, il a des normes, la déontologie professionnelle des éthiques, ils savent comment classer, il va appliquer ça. Mais émotionnellement, il est empathique, il est sans jugement, il a la compassion et tout, mais il n'est pas émotionnellement lié à vous. Parce qu'une chose, c'est que vous ne connaissez rien de leur vie. Ah oui. Vous ne connaissez rien de leurs propres soucis. Nous parlons d'une amitié dans laquelle lui, il va utiliser ses
ces remèdes qui l'ont guéri, à partager avec vous en espérant que vous pouvez vous inspirer de ça et l'adapter à votre contexte. Ou ils peuvent pleurer et vous, vous pouvez pleurer. Ou vous deux, vous pouvez pleurer ensemble, essuyer vos larmes et repartir à nouveau, à recommencer à construire en sachant que c'est aussi ça la vie et que vous n'êtes pas moins des hommes. Donc voilà un peu les situations dans lesquelles nous finissons. Et aujourd'hui qu'on est en train de discuter, que ce soit le responsable de ressources humaines, que ce soit le counseling dans le milieu professionnel ou dans le milieu scolaire, ainsi de suite, nous ne sommes pas avec des amis où on partage des émotions fortes. Donc quand il s'agira d'un rapport avec le professionnel, nous, en tant que professionnels thérapeutiques, on va vous amener à guérir de cette phobie, de reprendre une ouverture d'esprit et de réétudier votre environnement et chercher à vous connecter de façon sincère et profonde à des hommes qui sont aussi ouverts et qui ont envie vraiment de partager quelque chose de vrai encore lorsqu'on a le temps sur la terre. Parce que comme je disais, à la fin de ce voyage, il y a tellement de poids qu'on porte de foi que même partir est difficile. Et à ce moment, on va nous appeler pour qu'on vous aide à diffuser cette tension et de partir en paix. On n'a pas besoin d'attendre ce moment. On n'a donc pas besoin d'attendre ce moment. Il l'a dit. Il ne l'aurait pas dit que je l'aurais dit ici. Simplement parce que nous, on a encore la chance que nos jours ne sont pas comptés. Donc, il y a encore du bonheur à aller embrasser. Il y a encore du sourire à aller donner et à aller récupérer aussi. Et qu'il faut le faire maintenant pour pouvoir profiter d'une belle vie. Et qu'au soir, justement, de cette vie-là, on ne soit pas en train d'appeler quelqu'un à côté de nous. Qu'on soit simplement fier de nous. Qu'on se soit rendu service soi-même. Et on aura rendu service aux autres. Merci Emmanuel pour Thank you very much. Retrouvez cette entretien sur YouTube, STV Cameroun, et donc sur le plateau en direct lundi et mercredi, et le Beauty Consultant sera là vendredi, jeudi matin. Demain, jeudi. Allez, jeudi. Merci Emmanuel. Thank you very Bonne journée à vous, chers amis. Bonne journée.